Alors, dernière question, hein. L'été est là. Alors, il y a des gens qui ne partent peut-être pas en vacances. Vous aurez de quoi les occuper à Épernay pendant tout l'été ? Oui, on a d'abord un mois de juillet qui s'annonce extrêmement dense en termes d'animation. Nous avons notamment le 6 juillet la Champagne en fête sur l'avenue de Champagne. Nous avons le 7 une grande épreuve touristique sur le parcours du Tour de France. Le 8 le parcours du Tour de France, enfin l'arrivée du Tour de France, qui va être un événement évidemment très important pour nous comme pour tous les villages qui nous entourent. Le 14. Nous avons la soirée blanche sur l'avenue de Champagne. Alors nous avons également tout le long du mois de juillet Voilà l'été, qui est un festival qui marche bien et qui offre à peu près une quinzaine de spectacles chaque année. Et puis également, et c'est original, dans le vignoble de notre agglomération et dans la vignoble de l'agglomération de la communauté de communes d'Aï, un festival qui s'appelle Vignart, qui a positionné des œuvres d'art contemporain et des œuvres de land art dans le vignoble pour inciter les touristes, les visiteurs, les champenois à aller se balader dans le vignoble, à aller contempler la beauté de nos paysages et en même temps découvrir des artistes régionaux, nationaux et internationaux. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle brochette de manifestations pour cet été. Juillet et aussi août. Alors août, nous on va s'arrêter ensuite pour laisser justement le festival Musique en Champagne démarrer. Il démarre dans la communauté de communes de la Grande-Vallée de la Marne et on s'est toujours entendu pour ne pas se marcher sur les pieds et faire en sorte que les spectateurs puissent aller en juillet chez nous, en août chez eux. Bah, il nous reste à souhaiter un bel été à un très bon été à tous. Les Sparnassiens et aux Sparnassiennes. Voilà, on se retrouve à la rentrée.